Nous voilà dans Blue Shift. Donc on incarne Calhoun, qui est un agent de sécurité de Black Mesa, comme lui par exemple. Et donc on est venu à notre journée de travail. On a croisé Gordon Freeman ce matin, qui venait en tram aussi, il était juste derrière nous. C'est le seul épisode, enfin c'est la première fois qu'on voit quand même Gordon Freeman in-game dans cette extension. C'est à signaler. Hein. On peut voir les toilettes. Pas envie de faire pipi. Et la douche. Donc nous sommes à Black Mesa pour une journée ordinaire. Et bah on va évidemment, on sait que Gordon il va un peu foirer son observation de métaux. Enfin c'est pas lui qui foire mais... Ouais si tu veux. Et donc ça va être le bordel, il va falloir qu'on s'échappe. Bon je vous dis tout de suite, je n'aime pas du tout cette extension. Parce que déjà elle est sortie en 2001. Donc ça fait déjà 3 ans après le premier Half-Life. Bon, ça commence un petit peu à sentir le réchauffer, tout ça. Ça s'ouvre, ça? Ouais. Oh, ça c'est pourri, c'est un truc surveillance. Donc voilà, c'est toujours le même moteur. C'est toujours beau, quoi. Il n'y a pas de problème, c'est bien foutu, mais voilà. Non, donc on commence à être en 2001. En 2000, il y a eu Giant, voilà. Merde, c'est pas là qu'il faut que j'aille, putain, c'est où? Je vais te paumer encore. Il n'y a vraiment pas de map dans les Half-Life, il n'y a que dalle. On vous démerdez. Ascenseur. Ascenseur. Et donc je l'aime pas, pourquoi? Parce que autant Opposing Force apportait vraiment beaucoup de choses. Donc par exemple au gameplay on pouvait grimper au corps, de nouvelles armes, de nouveaux bestiaires. Autant lui il apporte que dalle. Il se finit en 3 heures. Il n'y a aucune nouvelle arme par rapport à Half-Life 1, c'est exactement les mêmes. Au niveau du bestiaire, il n'y a rien de nouveau, rien de neuf. Putain, mais c'est où faut que j'aille, sérieux. Oh, peut-être par là. On va essayer par là. Je gommé. Ah, c'est là, je crois. Amusez-vous bien, Calhoun. C'est ça, ouvrez-moi. Et voilà, donc c'est vraiment une extension sans intérêt. À part de croiser. En fait, disons que le personnage que vous incarnez, on le voyait dans Half-Life quand vous étiez sur la rame au début, dans Half-Life 1. Vous aviez un soldat qui tapait une porte à un moment, et en fait c'est lui, voilà. Et on le voit dans... Donc, du coup on voit Gordon au début dans la rame. Donc, je sais pas trop où aller là, on avance, on est des fous. Je me balade un flingue à l'air, tout le monde s'en fout. Allez hop, on prend l'échelle. Ouais, c'est par là. Donc voilà, faut ça se finir en 3 heures, c'est vraiment aucun intérêt. C'est un Half-Life 1.5 en 2001, quoi. Et encore le truc, il fait 3 heures, donc ça sert à rien. C'est plaisant à faire, voilà, mais c'est pas super utile. Je sais pas trop où on est, là, en plus. On est dans les égouts, dites donc. Voilà. Bon, franchement j'ai pas grand chose à venir sur ce truc. Ah bah voilà G-Man. Coucou. Il vient donner la pierre, donc ça va bientôt être l'anarchie. Bordel, chaos, des mutants partout. Voilà, bon là l'irradiation est soignée, tout n'y a pas de problème. Bon, vous voyez au niveau des armes on retrouve exactement les mêmes que dans Half-Life. Le bestiaire exactement le même que dans Half-Life premier. Hein. Donc par rapport au Opposing Force, c'est hyper décevant quoi. C'est clair et net. Les musiques sont toujours de qualité, bon ça se déclenche toujours au bon moment. Bon voilà. Bon ça se finit en 3 heures et franchement on a un petit peu les boules quand on le finit le truc. On se dit ouais. Ça a un peu fait enculer sur ce coup là quand même. Enfin moi je l'ai payé avec le pack anthologie donc je m'en fous. Mais... Sur Steam. Hein. Et là ça va être là que ça va être. Ça va merder si je me souviens bien. Oh putain il danse. Disco man. Oui c'est exactement les mêmes visages, ils ont rien changé du tout quoi. Bon ça fait quand même un peu 3 ans après quoi, voilà. C'est un petit peu léger, excusez-moi de le dire. Ah on va tous mourir, non, je veux sortir, ah. J'entends même pas ce qu'il me dit, j'ai tellement baissé le son que... Mon contre-branle en même temps. Monsieur. Voilà, je vous ai tout dit, hein. Je continue juste pour faire un peu durer la vidéo. Voilà.
vous montre un petit peu des... comment ça va se passer. Là ils vont mourir, je crois, il y en a un qui va mourir. Il va se faire transpercer par un éclair. Oh là là, c'est vraiment le bordel. Qu'est-ce qui se passe? Oh my god. Je pourrais les buter d'ailleurs maintenant. Toi je vais te tuer après. I want to kill you. Ça y est, c'est la merde. Là les... il se fait buter comme une merde. Il va se faire exploser la gueule. Par un Vortigone. C'est la forte essence. Les Vortigones qui en fait on voit dans Alpha 2, mais dans Alpha 2 ils sont gentils. Là où si vous avez remarqué, ils ont des chaînes un petit peu partout. Et c'est parce qu'en fait ils sont esclaves du... comment dire? Ils sont esclaves du... du big méchant extraterrestre en quelque sorte. Regardez-moi ce script de fou encore. Voilà, c'est ça Half-Life, c'est un truc de fou. Bon, comment je sors là? Ouais, dans le 2 en fait on apprend que comme ils sont plus sous l'emprise du méchant de Xen, enfin le maître extraterrestre de Xen on va dire en gros. Bon ils sont plus sous leur emprise parce que spoil, attention, à la fin de Half-Life 1 en fait on tue un espèce de gros big boss, un gros cerveau de Xen, c'est lui en fait apparemment, voilà. Donc toujours un scénar un peu décousu quoi. On apprend des trucs un peu comme ça au détour d'une conversation mais bon. Oh regardez, même le pied de biche quoi, putain. Dans Opposing Force on avait le couteau carrément et plus le, la clé à molette. Et là ils nous ressortent le pied de biche. Fait chier quoi. On aurait pu faire un effort chacun. Cassez-vous les dogs, fucking dogs. Comme dirait Enigmatic, pour ceux qui connaissent. Un petit peu de munitions. Hop. Donc voilà, là c'est le bordel évidemment, faut qu'on se barre. Ça s'ouvre pas. Et bah ouais, t'ouvrais pas. Peut-être par là. On va suivre les cartons. Fucking carton. Warning. Ah faut peut-être le péter ça. Ouais. Ah bah c'est malin. Fait tout noir. Ça a ouvert la porte à tous les coups. Oh là là, quel talent. Quoi? Ah merde, c'est de l'eau électrique. Non, c'est du la radiation. La radiation radioactive. Dégage, petit. Oui, au niveau ennemi, c'est exactement le même que dans le premier Half-Life. Alors que dans vraiment dans Opposing Force, on avait vraiment... déjà, on avait une aventure plus longue. Et en plus, on avait vraiment des ennemis vraiment intéressants, et avec des nouvelles armes et tout. Dans Opposing Force, il y a même une arme qui est énorme, c'est... vous voyez les ceux qui sont pendus au plafond avec leur langue. Bon, en fait, vous en a ramassé un carrément. Et du coup, vous pouvez tirer la langue, et vous pouvez aspirer les ennemis vers vous. Avec, donc vous les bouffez en fait, et il y a certains trucs auxquels vous pouvez vous accrocher comme un grappin. Ça vous fait une espèce de grappin en fait, vraiment super, super bien pensé. Alors que dans cette extension moisie là, il n'y a rien du tout. Et encore je croyais qu'au début que Blue Shift était sorti en fait avant Opposing Force. Mais en fait non, même pas. Ils ont fait le mieux avant et le pourri après. Bon bah ok, hein. Si vous voulez. Sauf tunnel. Allez, on était fou, on active tout. Quoi, ça s'ouvre pas ça? Ah bah non, ça ouvre la porte. The fucking door. Voilà, voilà, c'est bien dangereux. Finis-moi des munitions mon truc. Bande de rade. Il y a encore une énigme à la con là, ça je me souviens. J'avais un peu galéré ici. Il est quelle heure? Ouais bon ça va. Alors déjà.
faut baisser ce truc. Et ça sert à quoi? Voilà. Merde, forcément. Voilà, comment tu me saoules. Puis là je peux pouvoir monter dessus forcément tous les coups. Si. Oula, oh. Doudou. Merde. Ok, gros coup de rame. Oh non. Pourquoi? Forcément c'était l'autre qui était mal mis, putain. Non, puis en plus c'est une aventure hyper couloiresque celle-là, il n'y a vraiment aucun environnement extérieur. Ouais, c'est pas terrible, terrible. It's not funny. Allez, descends, bouge-toi. Top. J'ai encore fait une tôle là je crois. Putain. Oui. On va encore tomber sur des mortillons évidemment. Bitou. Il joue à Team Fortress 2, yeah! Bon, je vous fais une petite vidéo dessus d'ailleurs bientôt. Tiens, puis d'ailleurs, tant qu'on y est. Donc, je sais pas si vous avez vu, mais j'ai réussi à finir Rayman 2 grâce à un gars qui m'a aidé à surmonter le bug dans lequel j'étais coincé. Et donc, je me suis dit, oh bah, je vais faire un Final Plus Ending, c'est super! Et là, j'ai réfléchi, je me suis dit, pourquoi se faire chier à faire un Final Plus Ending alors que je pourrais vous faire carrément tout le jeu? Et je me suis dit, bah, ça sera peut-être une petite épopée pas mal, donc on verra, je crois que je vais faire une épopée Rayman. Et puis on va se laisser là, parce que voilà, c'est bien. Donc voilà, Half-Life c'est énorme, Half-Life Opposing Force c'est énorme, Half-Life Blue Shift c'est caca, Incan qui joue à Back to the Futures, dédicace à lui. Et voilà, allez, salut tout le monde, et à la prochaine pour Half-Life 2.